Peggy 7. Miaou, miaou, c'est le show de Mario Chat. Miaou. Bienvenue à tous pour un autre épisode trop sympa du show de Mario Chat. Nous avons plein de choses à vous dire aujourd'hui, alors c'est parti. Il est temps de visiter un autre pays lointain, le royaume magique d'Alefgard de Dragon Quest Builders sur Nintendo Switch. À l'aide! C'est le maléfique Lord Dragon. Qu'est-ce qui se passe, Pitcha? Le ciel est tout sombre et terrifiant. Ce malfaisant a lancé un sort diabolique et volé aux gens leur pouvoir de créer. Tu veux dire qu'ils ne peuvent plus rien construire? Comment vont-ils rebâtir leur maison? Et maintenant, leurs villages sont attaqués par des monstres. Mais attends, voici un héros! Ce n'est pas un simple héros. C'est un bâtisseur qui tombe à pic pour sauver Alefgard. Ce brave aventurier va pouvoir rebâtir le royaume. Alefgard est un vaste territoire plein de monstres dangereux. Mais ces monstres sont aussi de grandes opportunités. Ils permettront de récolter une foule de choses utiles. Les matériaux récoltés peuvent être utilisés pour bâtir toutes sortes de choses différentes. Il suffit de les imaginer. Les villageois ont l'air plus heureux maintenant. Leur ville a retrouvé son éclat. Bravo, Pitcha! Je savais qu'on pouvait y arriver. Ah ah! J'ai trouvé! Qu'est-ce que tu fais, Mario Chat? Tu te prends pour un inspecteur? C'est exact, Pitcha. Je joue à Détective Pikachu sur Nintendo 3DS. Oh, j'adore Pikachu, il est tellement mignon. Il a un air sérieux cependant. Are you able to understand what I'm saying? I'm a great detective. Detective Pikachu. Quoi? Pikachu parle? Et sa voix est quelque peu différente. Dans ce jeu d'aventure unique, vous incarnez Tim et Détective Pikachu vous aidera à résoudre toutes sortes de mystères. Oh non! Ce cap humain a chipé le collier de la fille. Fais quelque chose, Mario Chat. Je m'en occupe. Alors, je vais commencer par demander si quelqu'un a assisté à la scène. Alors, un cap humain est parti dans cette direction et un autre est parti de l'autre côté. Pikachu peut obtenir des informations en parlant aux autres Pokémon. On dirait que c'est le cap humain avec du ketchup sur la queue qui a pris le collier. Rassemblons des preuves. Enquêtons dans tous les lieux qui ont l'air suspects. Cette empreinte est rouge. C'est du ketchup. L'affaire est bientôt résolue. Il faut maintenant rassembler les pièces du puzzle pour résoudre le mystère. Le cap humain avec du ketchup a volé le collier, n'est-ce pas? Et l'empreinte rouge était là. J'ai trouvé. Il est parti dans cette direction. Bon travail, Pitcha. Il y a tant de mystères à résoudre dans Rim City, mais jamais seul, car Détective Pikachu mène l'enquête. Qu'est-ce que tu as dit, Détective Pikachu? Passons à une nouvelle rubrique consacrée à Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Dresseur Pokémon, réjouissez-vous! Nous allons vous donner des conseils très utiles pour attraper des Pokémon légendaires. Les Pokémon légendaires peuvent être difficiles à trouver. Mais avec l'aide de Solgaleo et Lunala, vous pourrez les traquer dans les ultra-brèches. Les ultra-brèches sont des portails cool qui connectent la région d'Alola à l'ultra-dimension. En passant à travers, on peut atteindre des lieux lointains. Waouh ! Regarde toutes ces belles couleurs ! Les trous de verre de différentes couleurs sont connectés à différents types de mondes où habitent des ultra-chimères et des Pokémon légendaires. J'aimerais trouver le Pokémon légendaire Elector. Essayons de passer dans le trou de verre rouge. Waouh! On a été transportés si loin! Regarde ces falaises! Je parie qu'Elector apprécierait ce lieu. Ah! Le voilà! Elector! Un bon coup de chance! Essayons de l'attraper. Nous devons tout d'abord le combattre. Ok, il est affaibli. Est-ce que ça peut marcher en l'endormant? Certainement. Ce sera plus facile de l'attraper. Vite, lance une Pokéball. Quoi? Il s'est échappé! Les Pokémon légendaires sont puissants. C'est difficile de les attraper avec une Pokéball normale. Essayons quelque chose de plus puissant. Une Ultra Ball!
On l'a finalement attrapé. C'est important de toujours avoir les bons objets. Alors d'abord, il faut combattre le Pokémon pour l'affaiblir. Puis, tenter de l'attraper avec une Pokéball, une Ultra Ball ou même une Master Ball si tu en as une. On peut aussi l'endormir pour faciliter les choses. C'est ça, Pitcha. Mais souviens-toi que si tu veux attraper des Pokémon sauvages, il ne faut pas les battre. J'ai hâte d'avoir Elector dans mon équipe. Dans Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, tu peux trouver et attraper tous les Pokémon légendaires. Oh, le temps est écoulé, Mariosha. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez bientôt jouer avec nous. En attendant, ciao!